Eh bien, salut tout le monde, la communauté, c'est Jayzor. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne Jayzor77. Donc, pour un énorme glitch d'argent, vraiment, c'est pour les pauvres et pour les riches. Donc, dépêchez-vous d'en profiter. C'est en 1.50. C'est sur le jeu GTA 5 Online. Vraiment, dépêchez-vous d'en profiter. Tu vas gagner 5 000 $ et 2 000 RP toutes les secondes. Donc, oui, tu vas pouvoir avoir beaucoup d'argent. Regardez, flèche de droite et hop, 5 000 $ et hop, 2 000 RP. Encore une fois, flèche de droite et hop, 5 000 $ et hop, 2 000 RP. Regardez, c'est vraiment un énorme glitch, un énorme bug, les potos. C'est un truc de malade qui a été trouvé aujourd'hui. Donc c'est un retour comme les activités 10K par PNJ et comme le glitch de Lester où en gros vous gagnez 1 000 $ et bah là les potos, c'est un énorme glitch. Donc regardez tout l'argent que je gagne, c'est 5 000 $ et 2 000 RP toutes les secondes. Je suis niveau 117 les potos. Je peux vous assurer que grâce à ce glitch tu vas pouvoir être riche sur le jeu GTA 5 Online. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout, bien sûr n'en abusez pas, faites le raisonnablement les gars, parce que c'est un gros glitch d'argent, parce que Rockstar je pense qu'ils vont patcher ce glitch le plus rapidement. Donc dépêchez-vous d'en profiter. Dans quelques instants je vais vous expliquer comment avoir ce magnifique glitch. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous la communauté, si vous êtes nouveau nouvelle sur ma chaîne YouTube, de mettre un maximum de likes et un maximum de commentaires. Donc le nouveau défi du jour, ce sera les 1000 premières, j'ai bien dit les 1000 premières qui likeront et qui commenteront vont être récompensées. Donc dépêchez-vous d'en profiter. Il faudra m'envoyer des screens et tout simplement sur mes réseaux sociaux qui se retrouveront dans la description. Donc les potos, je compte sur vous de bien vous abonner à ma chaîne YouTube si ce glitch te plaît. Donc tu montes la motivation dans l'espace commentaire et tu t'abonnes. Je fais gagner des lobbies sur toutes les plateformes, je le répète. Donc dépêchez-vous d'en profiter, c'est vraiment un truc de malade. Regardez tout l'argent que je gagne, je suis niveau 118 dans pas très longtemps, alors que j'étais level 100, les potos 110, là les potos je suis level 118, je gagne 8 levels toutes les minutes, c'est vraiment un truc de malade. Donc dépêchez-vous d'en profiter les gars, voilà, donc c'est parti. Donc pour ce glitch les potos, il faudra dans un premier temps, pour avoir ce magnifique glitch et profiter de ce bug, donc c'est vraiment un énorme glitch, il faudra en fait les potos vous retrouver en session soit publique ou en session sur invitation, ça sera très important, et il faudra que vous ayez reçu un mail, donc le mail tout simplement de la carte au trésor. Donc oui j'ai bien dit la carte au trésor. Donc pour les gens qui l'auraient déjà fait les potos, je vous invite à changer de personnage. Pour ma part les potos, je l'avais déjà fait sur mon personnage principal. Donc voilà, donc quand vous allez vous connecter dans le jeu, vous allez attendre quelques minutes, voire minimum 20-30 minutes, le temps que tout simplement Rockstar ou du moins le jeu vous envoie la carte au trésor. Donc les gars, c'est pour ça que je vous mettrai toutes les informations détaillées en description, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc regardez les gars, vous ouvrez votre téléphone et dans 20-30 minutes, normalement une fois que vous êtes bien dans le jeu, vous allez revoir ce, vous allez recevoir ce mail qui va vous dire voilà, donc c'est la première étape du tout simplement de l'emplacement de la carte au trésor. Donc c'est là le bug en fait, il faut recevoir ce petit bug, enfin cette alerte, du moins ce mail, pour pouvoir réaliser ce glitch. Donc c'est pour ça les gens qui l'auraient pas reçu, qui l'auraient déjà fait, c'est tout simplement le défi de la carte au trésor du les poteaux bah, du revolver à double tour, je crois si je me trompe pas. Donc pour les gens qui l'auraient déjà fait, c'est pour ça que je vous invite à changer de personnage ou alors à vous recréer un nouveau compte. Mais vous sachez les potos que c'est un glitch à en profiter. Grâce à ce guide tu peux monter tes levels, tu peux même monter ton argent et tout ça en une heure. Je pense que tu peux mettre tout simplement jusqu'à plus de 1 million. Sachez que moi j'ai déjà fait ce glitch et je me suis fait plus de 1 million. Vraiment c'est un truc de malade. Et je suis à peu près level, je rush le level 200. Donc dépêchez-vous pour les gens qui n'auraient pas beaucoup de level d'en profiter. Voilà donc pour ma part les potos, ce que je vais faire, c'est possible que vous n'ayez pas le même endroit que moi dans la vidéo. Donc c'est pour ça les gars, si ça vous met pas le même endroit c'est pas grave. Mais je vais vous expliquer, la manip c'est la même pour tout le monde. Il faut juste trouver la carte au trésor, donc de l'endroit où est indiqué sur votre téléphone dans le jeu GTA. Et il faudra vous y rendre. Une fois que vous y serez rendu les potos, tout simplement il va falloir faire une petite manipulation. Donc je compte sur vous les mecs, vraiment de bousa, excusez-moi hein, si je bégaye, c'est parce que voilà les potos, je suis vraiment content. En ce moment il y a vraiment beaucoup de glitch d'argent, l'argent frisé tout ça, ce qui est toujours fonctionnel, le don de véhicule, vraiment les gars profitez-en. Donc voilà, donc regardez, une fois que vous serez à votre emplacement, normalement vous allez avoir cette, tout simplement cette carte là, donc cette affiche. Donc ce que tu vas devoir faire, tu vas tout simplement t'inscrire en PDG si cela n'est pas encore fait. Pour ma part les potos, comme c'était un nouveau personnage, j'ai dû en créer un nouveau. Donc voilà, donc vous vous inscrivez en tant que PDG, voilà. Et ce que vous allez devoir faire les potos, c'est vous allez devoir rester appuyé sur le menu pad de votre manette. Donc ça c'est sur PS4, sur Xbox, je crois que c'est R1 ou je sais plus trop. Et vous allez devoir aller dans mission de gros money et vous allez devoir lancer tout simplement la mission OPA hostile. C'est très important de lancer la même mission que moi, parce que je sais pas si ça marche avec les autres. Donc lancez bien la mission comme moi, OPA hostile les gars. Donc vous la cherchez, allez dans tout simplement dans les Seguro Serve de défi de gros bonnet, les potos, et moi je suis sur invitation, je précise, comme ça s'il y a des gens qui viennent me tuer, bah ils pourront pas parce que je suis sur invitation. C'est un glitch en solo, donc dépêchez-vous d'en profiter avant qu'il soit patché les gars. Voilà, donc regardez.
Donc là je cherchais tout simplement, j'ai un petit peu galéré, donc c'est pour ça que j'ai mis la vidéo en accéléré pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc regardez, là les poteaux, OPA hostile il est juste là, donc je vais la lancer. Donc je vais faire une fois croix, comme tu peux voir je vais me placer ici devant l'affiche, donc devant l'affiche de la carte au trésor, c'est très important les gars. Bien sûr ne pas faire flèche droite quand vous arrivez hein. Et là ce que vous allez devoir faire, vous allez choisir comme moi, base de Merryweather, très important les gars. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez lancé, et là vous allez faire flèche de droite, et regardez, vous allez recevoir 5 000 $ et vous allez recevoir 2000 RP. Donc voilà, donc jusque là vous me suivez, pour pouvoir le refaire en illimité les gars. Là ce que vous allez devoir faire, vous allez refaire encore une fois flèche de droite les poteaux. Normalement ça va vous ramener ici, et regardez les poteaux, le bug il est vraiment là. Quand je vais y retourner, en fait comme je suis dans la mission de gros bonnet, regardez je refais une fois flèche de droite, et regardez les poteaux, je gagne 5 000 $, et regardez je gagne 2000 RP, ce qui est vraiment énormissime. Donc dépêchez-vous d'en profiter, vraiment c'est le meilleur glitch du moment. Je pense que c'est même le deuxième glitch de l'année 2020, franchement les gars dépêchez-vous d'en profiter. Regardez les poteaux, donc au début vous avez pu voir que j'étais niveau 117, et là regardez je suis niveau, j'étais bien niveau 101, je suis niveau 102, 103, 104, 105, et regardez les poteaux, j'ai 51 millions, donc j'ai vraiment bien profité de ce glitch. Donc il y en a, ils vont me dire, Jaser, est-ce qu'il y a des risques de bannissement? Il n'y a pas de risque de bannissement, faut juste pas en abuser les poteaux. Voilà, sachez que moi en aucun cas je suis responsable, moi je vous présente des glitchs, donc faites-le avec raisonnablement, parce que je pense que Rockstar vont le patcher, on est actuellement jeudi, je pense que d'ici demain ou après-demain Rockstar vont le patcher rapidement, donc dépêchez-vous de le faire avant qu'il soit patché. Et n'oubliez pas les poteaux, les gens qui sont pauvres, c'est un glitch en solo, faites-le raisonnablement, c'est très important. Regardez, je peux me gagner beaucoup d'argent. Moi ce que je vous conseille les poteaux, une fois que vous avez fait ce glitch, c'est de dépenser votre argent en achetant des nouveaux véhicules qui sont arrivés par exemple aujourd'hui, ou même de faire des activités et tout ça. Par exemple vous lancez des cours, des activités, comme ça vous cachez votre argent, comme c'est pour éviter. Après l'argent les poteaux, pour ma part, les gens qui diraient ouais mais comment on fait pour le remettre cet argent si on était sur son personnage féminin, du moins son personnage, excusez-moi, secondaire. Et ben ce qu'il vous reste plus qu'à faire, c'est de prendre tout simplement l'argent et le transférer sur votre donc bah sur votre personnage les poteaux, bah sur votre personnage masculin. Donc vous mettez votre argent, une fois que vous avez fini le glitch, vous pensez en avoir fait assez raisonnablement, et bah vous allez sur le site internet, sur Maze Blanc et tout ça, et vous faites une transaction en transférant votre argent dans le compte en banque. Donc voilà les poteaux, donc si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un maximum de likes et un maximum de commentaires. N'oubliez pas de rejoindre les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, tous les liens seront en description, dépêchez-vous d'en profiter. Opsi, n'oubliez pas que je fais gagner des lobbies sur toutes les plateformes, que ce soit sur PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC, donc dépêchez-vous d'en profiter. N'oubliez pas de liker, de mettre un maximum de pouces bleus, vraiment le défi du jour, ce sera les 1000 premières, tout est vérifié, donc ne trichez pas, et rejoignez mes réseaux sociaux, partagez-les, et on rush les 5000 abonnés sur Instagram, et surtout n'oubliez pas de rejoindre les réseaux sociaux qui seront dans la description. Sur ce les gars, je vous dis la prochaine, c'était Jaser, je vous dis bonne vidéo à tous, faites-le raisonnablement, dépêchez-vous d'en profiter, parce que c'est un gros glitch d'argent, vraiment les gars, il va être patché dans les minutes et dans les semaines à venir. Je peux vous assurer les poteaux que Rockstar risque de bannir, mais je vous incite pas à faire ce glitch, mais je vous dis qu'il est disponible, vous pouvez le faire, mais sachez que faites-le raisonnablement, et si vous voulez éviter les risques de bannissement, je vous conseille de faire des activités, et tout simplement les poteaux, de faire des activités, ou même faire des missions en ligne. Avant que je vous laisse, oui, pour pouvoir sauvegarder tout ça les poteaux, une fois qu'on a terminé, qu'on estime d'avoir terminé ce level et son argent, pour sauvegarder, je vous conseille, après ce n'est pas obligatoire, c'est de changer de tenue, voilà, et il faudra juste quitter l'application, donc fermer l'application de GTA 5 Online, tout simplement, et vous aurez juste à relancer le jeu, et vous verrez qu'en revenant dans le jeu les poteaux, et bah votre argent sera toujours là, il sera toujours là, ainsi que vos levels, et vous pouvez faire ça en illimité. Pour le refaire en illimité, il vous suffit juste d'attendre que on vous renvoie le mail de la carte au trésor, c'est à dire qu'en gros il va falloir attendre que on vous renvoie minimum 20-30 minutes maximum dans le jeu, donc vous tournez en rond hein, vous faites des activités, vous jouez avec votre ami, vous parlez tout ça, voilà, vous discutez, et vous allez voir qu'au bout d'un moment ils vont vous renvoyer, et vous refaites la même manipulation que moi, et vous verrez que vous êtes pour faire ça en illimité. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Jaser, je vous dis bonne vidéo à tous, je vous dis bonne fin de semaine, c'était Jaser, n'oubliez pas de participer pour les lobbies, tout est vérifié, en route vers les 100 000 abonnés, j'espère les atteindre le plus rapidement. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine, c'était Jaser, je vous dis bon glitch et ciao tout le monde, bye les potos.